grâce. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Seigneur, merci. Je crois en ta présence. Je crois par les signes de ta présence. Ton esprit est là. Le peuple de Dieu a prié pour que je parle comme je devrais en parler. Que je parle avec hardiesse. Seigneur, je crois que tu as exaucé leur prière. Ce que je vais ajouter, Seigneur, dans ma requête, que je m'efface, que tu prennes la place, afin que toi-même tu parles à ton peuple, que je sois juste le canal. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va passer à la lecture du jour. C'est Dieu qui a voulu ainsi. On va raccourcir toutes les choses. Amen. Amen. On va lire Lévitique 17:11. On peut lire ensemble. La parole de Dieu nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il soit servi d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. On peut s'asseoir. Le Saint-Esprit va nous conduire pour que nous finissions comme d'habitude dans les heures que Dieu a ordonnées dans cette église. Amen. Amen. Donc, nous avons lu, car l'âme de la chair est dans le sang. C'est ce qui est écrit au tableau. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ça veut dire, nous avons trois parties dans le corps. On a l'âme, l'esprit et le corps. Ce corps-là, les intellectuels appellent ça l'enveloppe. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est le corps. Amen. Donc, l'âme de la chair est dans le sang. C'est pour cela, dans l'ancienne alliance, il y avait, avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, avec les conditions d'homme, Dieu avait ordonné aux hommes des sacrifices d'animaux pour expier le péché. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu avec les conditions d'homme, d'homme à homme. Il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela. Dieu, en donnant aux hommes les sacrifices des animaux, c'était juste une préfiguration. C'était juste une préfiguration des choses à venir. C'est-à-dire, pour que quand cela viendra, quand Dieu le Père offrira son Fils unique, pour que son sang serve d'expiation, pour que nous soyons déjà la figure. La préfiguration, c'est ce qui vient après la figuration. C'est comme dans l'histoire, il y a la partie qu'on appelle la préhistoire avant d'entrer dans l'histoire. Donc les animaux qui étaient offerts en sacrifice, c'était une préfiguration pour que nous ayons une idée. Quand le Christ viendra, que cela ne surprenne personne, que Dieu n'a pas changé sa loi, le péché sera toujours expié par les sacrifices de sang. Donc c'est pour cela, à l'époque, c'était les animaux qui étaient offerts et leur sang servait d'expiation. Mais le sang des animaux n'était pas suffisant pour expier le péché. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ. Je pense aussi, il est écrit aussi dans la Bible, que le sang des animaux, que le sang des taureaux, des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur tous ceux qui sont sciés, sanctifient et procurent
la sainteté de la chair. À combien plus forte raison que le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans tache, sans défaut. Ça, c'est dans Hébreux, hein, si tu veux chercher ça. Donc, si ils ont cherché, tu veux la référence? S'ils ont cherché, tu mets Hébreux 9:13, s'ils ont cherché à mélanger le sang des animaux, c'est-à-dire des boucs et des taureaux, avec la cendre d'une vache pour répandre sur tout ce qui était souillé, parce que le sang de Jésus-Christ était un sang plumeux, le sang plumeux, c'est-à-dire plumeux, ça veut dire le sang concentré, le sang fort, le sang vraiment concentré. Ça s'appelle le sang plumeux. Tout de Jésus était plumeux. Même la sueur de Jésus était plumeux. Même la parole de Dieu dit, Jésus étant dans l'agonie, sa sueur tomba par terre comme des plumeux du sang. Donc tout de Jésus était plumeux. Quand tu te blesses, le sang peut couler. Le sang peut jaillir. Mais ce n'est pas plumeux. Or, pour expier le péché, ils étaient obligés d'ajouter la cendre d'une vache. Tu as trouvé ça? Repars un peu en avant, tu verras là où il y avait la cendre d'une vache. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont sciés, sanctifie et procure la chair. Ils ont ajouté la cendre pour que le sang des animaux devienne plumeux. C'est limité, ça devient à peu près plumeux. Parce que pour Jésus, tout a été plumeux. Même quand il a souffert.